Hé, hey, Oswald, tu veux te taire le temps que je fasse ce cadrage? Merci, tu seras mignon. Bon, au moins ça prouve que c'est moi qui commande, Oswald, ok? Alors tu te tais! Peut-être monter encore un poil le son. Ou pas. Je pense parfait. Non, on va laisser à 15. Bref, sinon. Pas de bêtises, toi, je t'ai à l'œil. Ok, il est en train de s'amuser. Bref, sinon donc. Salut à toutes et à toutes, c'est Malofi511 et aujourd'hui on se retrouve pour Epic Mickey 2, le retour des héros, épisode 3. Bref. Donc dans l'ancien épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Bah dans l'ancien épisode, on avait traversé les souterrains de Mean Street pour se rendre à Mean Street Nord. Une fois qu'on arrivait à Mean Street Nord, on avait pris un passage, je sais plus trop quoi, pour se rendre à... C'était Ozville, ouais, je crois que c'était Ozville. Pour voir Prescott, et Prescott, après, bah, il s'est passé un truc, on devait réparer des pompes pour pomper le dissolvant. Le solvant? Non, le dis... Non, le solvant. Ce truc, quoi. Violet. Je suis daltonien. Ces trucs verts. Et puis après, on est descendu pour aller récupérer la statue de la fontaine, je crois. Mais on est venu aussi ici pour quoi, déjà? Ah oui, pour réparer les projecteurs, voilà. Je sais, j'explique très mal, mais c'est un peu compliqué. On passe par 20 000 endroits. Bref, on est arrivé ici. Et pourquoi elle est dorée? On est d'accord que dans l'ancien épisode, elle n'était pas dorée, le... Alors, c'est de l'encre invisible. Et ça me paraît un peu bizarre. Ah mais oui, attendez, 2 secondes. Attendez, j'ai dû perdre quelque chose et ça a pas dû le faire. Merde, j'ai dilué Oswald. J'ai pas fait un truc... Comme un abruti, mais je sais pas, il y a des sortes de petites fées, donc Et pourquoi dans le dernier épisode c'était... Ah mais c'est pas vrai! Allô? Mais non! Bon, tu peux m'expliquer comment on change ce truc là? Ah mais sérieux, on commence à peine l'épisode et juste parce que j'ai fait un truc avant de commencer, ça s'est transformé en ce machin là. Allô? C'est comment on utilise les croquis déjà? C'est comment? Merde, c'est comment? Pourquoi t'as mis ça en vue la première personne? Arrêter. Ah bah voilà! Quoi? Juste parce que j'avais enlevé le sol là? C'est une blague. Merci le jeu de m'avoir fait perdre 4 minutes. Ouais, donc faut y aller doucement. Tu peux pas nous téléporter, sinon c'est un peu mieux. Ouais, mais il me faut...
me faut. Non, c'est bon. Ah, ok. Parce que je l'ai dit, j'ai pas de feu d'artifice là. What? Ok. Ah, il y avait un concept art là-bas! Quoi? Mais je t'avais pas repeint, toi! On peut monter dessus. Ok, mais si je sais pas viser aussi. Bah ouais, c'est bizarre, on dirait pas du tout, hein. Allez, on continue. Ça, c'est le truc arc-en-ciel ici, c'est ça? Je sais plus trop comment ça s'appelle, hein, vous me connaissez. Moi, il est non. Attendez, je regarde le cadrage, deux secondes. Oui, ça là-bas. What? Ah, bah, d'ailleurs. Un balayeur planqué quoi. Merde, on a un autre là-bas. Zed. Ok, mais attendez, il y a forcément un truc à repart là, c'est pas possible de monter comme ça. Merci, Mickey. Ah non, là, je crois qu'on a besoin de ça, là. Cette encre est solide comme une carapace de robin. Même le sol vent glisse dessus. Mais sois quand même prudent. La carapace se brise net si tu bouges. Ouais, c'est ça. Pourquoi? On peut plus respirer là-dessus? Hop, voilà. Oh! Blanche-Neige et son prince. Oswald, allez viens, on s'est fait embrasser. Là. Ou quoi? On y est! C'est la centrale électrique du projecteur. Tu vois cette cascade? Elle alimente la machine. Jette un coup d'œil autour de la cascade. Et localise le problème. Ah, il y a un pauvre. Le flux de peinture avec escalade arc-en-ciel fournit de l'énergie projetée à votre machine du monde de la désolation. Eh, c'est stylé, vas-y. Je crois que les tunnels qui acheminent le courant de la cascade ne fonctionnent pas. C'est cette là. Si tu peux les remettre en marche avec cet appareil. Ça, c'est pour moi. Oh, lingot. Mais c'est quoi ces pattes, sérieux? Bah, attendez, vous me prenez pour qui? Attends, tu sais par qui je suis, moi? Le tuyau qui est derrière le ventilateur doit être fermé. Alors trouve un moyen de retourner là-bas. Alors c'est... Ah, attendez. Ah, faut que je le pousse comme ça. Je le pousse. Ah, d'accord. Il était bloqué par ça. Tu vois ce tuyau au milieu de la pièce? Accroche-le au coupleur. Et puis voilà! Eh mais il va se la fermer lui! Allez! Ah d'accord, c'est ça que je dois tirer. Suffit de fonctionner
fonctionne à la perfection. Et je dois t'avouer que je n'en crois pas mes yeux, étant donné que c'est toi qui l'as réparé. Ça, je peux pas... Non. Ah, ouais. Ah. Regarde. Putain. Qui fuit derrière le ventilateur. Tu vois... Oh, sérieux. Mais non. Je me suis fait juste... Putain. Je suis juste coincé en dessous de la plateforme, quoi. Oh, les gars, vous êtes sérieux. Oh, allez, là. Ah non, ça c'est bon, tout est déjà, tout ce que j'ai fait déjà a déjà été fait. Mais juste parce que je me suis retrouvé bloqué parce que je savais pas qu'il y avait une plateforme, putain. J'en ai marre. Mais je vous l'ai dit, moi je meurs pour des trucs mais stupides. Bah alors par contre, un truc qui est super hard, super chaud, où tu risques de mourir à chaque fois, là par contre je mourrais pas, hein. Alors là... Allez Oswald, tu animes ça s'il te plaît. Allez. Wow, tu entends ça? Je ne sais pas trop ce que tu as fait, mais la sous-station n'aime pas du tout ça. Je peux la stabiliser. Mais arrête de faire des bêtises. C'est quoi ça? Ouais, et ces tuyaux fonctionnent à la perfection maintenant. Ok, à quoi sert ce truc? Alors... Ah, il y a un truc là-dedans. Mickey, il va falloir que tu grimpes là-haut pour réparer ces tuyaux. Je t'ai déjà dit de peut-être la fermer, je crois. Voilà, ah merde. Ah merde. Bah, est-ce qu'on devait... Attendez. Et ça, on en fait quoi? Ah merde, je crois que j'ai tout cassé. Ah bah, dans un pays, hein. Mais c'est quoi ce mec qui chante? Mais quel est ce bruit? Ah bah, on est un poil obligé si on veut continuer le jeu. Hein. Mais bon. Même pour nous appeler, il chante quoi. C'est chiant. La ferme! Mais il y a des trésors partout là-dedans. Ok. Ah merde. Non. Reviens. Attendez. Là. Allez. Il touche même pas la boule. Il a des pouvoirs télépathiques, Mickey.
Oh, et puis on s'en fout. Si c'est juste pour avoir des... Mais c'est un troll ou quoi? T'arrêtes de partir quand j'arrive? J'allais dire, bah y'a rien ici, ici. Je sais, en plus, en parlant du savant fou, je sais même pas de quel bruit il parlait, j'ai rien entendu. Bon, Zlat, qu'est-ce que tu fous là? Merci. Ah tiens, comment elle s'appelle elle déjà? La théière dans La Belle et la Bête. Ok. Ok, si vous voulez. Oula, attends, je vais dire, c'est un poil impossible. Ah non mince. Allez. Attends, Oswald. Il répond pas ce con. Bon, j'ai une idée. Voilà. Ah, on aurait dû planer. Mais oui. Mais quel idiot aussi. Bon, tant pis. Tant pis, j'ai pas envie de te me retaper. Bon, au moins vous savez comment faire pour aller là-bas. Mais planer avant d'y aller. Oh là là. What? Ah non, c'est pour sortir. Mais attends, hop là. Attendez, c'est un jeu. Eh ben, allez! Mais t'es là, espèce d'idiot. On le voit bientôt tous les avoir. Oui! Money! Ça ne sert strictement à rien! Tout? Tu as de la toux? C'est un squelette. On marche sur un squelette? What? Je suis riche! Il y a un squelette de T-Rex tranquille. Mais tout est parfaitement normal, mes chers amis. J'étais en train de regarder mon cadrage, moi. Je peux essayer qu'on peut. Ah non, c'est là. Ah, mais je suis bizarre. Non, elle est partie où? Attendez, elle est partie où la boule? Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais non! Comment voulez-vous que je remonte maintenant? Oh sérieux. Bon bah on va refaire le chemin qu'on avait fait au début hein. Putain mais sérieux. Ils ont mal géré ça, sérieux. Là ma boule elle est partie à 20 mètres. Comment voulez-vous que je fasse? On y retourne hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
Je voulais pas y retourner à la base. J'ai l'impression qu'Oswald s'est téléporté, non? Hop, voilà, maintenant, Oswald. Oui, bah, dépêche! Allez! Allez, 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 on perd déjà assez de temps comme ça. Bon, allez! Il est là. Allez, viens là. Voilà. Oh putain, mais arrête de tomber. Non. Oh. Oh putain. Repars-moi ça. Repars-moi ça. Merci. Est-ce qu'on va à la caverne arc-en-ciel? Ouais, mais même si on repart cette tête, c'est pas... C'est pas une très bonne idée. Je me demande, je pose comme ça en voyant une tête comme ça, mais il est quand déjà le premier boss? Quand est-ce qu'on affronte le premier boss? Je m'en souviens absolument plus. Ok. C'est accueillant. Merci. Le mal et le bien là-bas. Intéressant. Hop, alors. Merci Oswald. Hop là. Oh putain. Ah, Oswald, je suis bloqué. Mais non, mais... Eh là, c'est dégueulasse, je me prends des coups en continu, quoi. Attends, à quoi ça me sert, ça? Attendez, stop. Oh là là, ça va être chiant, ça. Ah, mais... Oh, sérieux? Il n'y a pas de vie en continu là-dedans. C'est dommage. Non. Allez, c'est comme ça. Et ça, ça tourne quoi? Allez, Oswald, là! Eh, mais sérieusement, quoi! Mais non, je veux pas aller par là! Ah, quoi? Putain, mais attendez, ça tourne 20 000 trucs! Si je le dis lui. C'est une pile. non. Je sens que Mickey un jour il va faire une grosse boulette. Non, pas par là.
Et ça tourne quelque chose là ou... Ah vache. Ah merde! Oh putain, j'avais pas vu! C'est moi qui ai dilué ça encore, putain. Ok, d'accord. Ah bah putain, voilà. Je m'en fous du coffre, hein. Très sincèrement, j'avais juste marre, j'ai juste envie de me barrer. C'était quel méchant là en fait, tant que j'y pense, avec un long nez comme ça. On va visiter le rabbin Fishman. Non. Attends, what? Attends, waouh, attendez, waouh. Pas encore y aller là-bas? Ah non, on peut pas y aller. Bon bah ok, on y va. 7 minutes. Oui. Oui, mon cher petit enfant. Merde, j'ai débloqué un truc, mais je regardais le cadrage. Oui, ce cadrage m'obsède. M'obsède, je crois. Dégage. De la vie. Oui. Voilà, merci. Attendez, moi, tu voulais que je la passe comment là? Non, toi dégage. Elle va où? Attends, reviens! What? Mais en fait, elle s'est... Non. Tu te fous de ma gueule en fait! Allez là! Mais non, mais! J'allais dire, c'est une blague là! Allez, on se fout de ma gueule. Passer par l'autre côté, je suppose. À moins qu'on retente le truc avec Oswald. Ici. Oswald. Attends, on va déjà prendre ça. Ah non, c'est bien comme ça. Je pense qu'il y avait une balle où je me suis... Ouais, c'est peut-être comme ça en fait qu'il fallait... Oh. Mais à chaque fois que je fais un truc, ça m'amène toujours plus loin quoi. Allez plus haut. Je l'étais. Hop là. Oh, c'est quoi ce bruit? Maintenant. Je suis dépressif. On y va, on se dépêche, on y court, on y vole. Ah oui, l'argent.
Oh mon dieu, c'est quoi cette gueule? Il se passe rien, on est d'accord? Une demi-heure. Je sais pas ce qui se passe donc. Oh, y va! Ah merde, fallait planer. Bon, tant pis. Papé! Putain, mais ces trucs de CDM quoi, sérieux! Ah putain, d'accord. Ok, la sortie c'est par là! Mais je pense qu'il y a un moyen un peu plus simple de passer, je sais pas. Ah, oh, comme par hasard quoi, vas-y. Mais putain, mais les gars là! Alors c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Oh oui. Ça c'est bon. Oswald. Oui, Gus. Il parle mais d'une façon. Est-ce qu'on emprunte le rabbin, enfin l'ascenseur du rabbin Disney? Mais plus enthousiaste. Surtout qu'il arrête de chanter, moi. C'est le Ravin Disney ici, alors? Le saloon du Ravin Disney a été construit par des Toons pionniers qui sont venus dans le Ravin une fois que la mère de Solvent s'est fait retirer, voilà. D'accord. Mais le côté du bien dans la caverne, on y va un jour? Je pouvais pas l'atteindre avant que je pouvais, mais que j'ai pas vu. De toute façon, j'ai vraiment l'impression que ce jeu... Il y a vraiment... Beaucoup de trucs cachés, beaucoup d'endroits à visiter, enfin bref. Ouais, il ressemble un peu à Bamba dans Final Fantasy. Bamba, je sais pas comment ça se dit. Enfin bref. Non bref, ça fait combien de temps? 33 minutes. J'ai bien envie de garder cette zone pour le prochain épisode parce que voilà. Donc ça c'est d'autres nouvelles zones. Alors là, on l'a jamais vu celle-là. Ça prouve que les développeurs hein, n'ont pas fait que remasteriser les anciennes zones du premier Epic Mickey. Non non. Alors, tant mieux, je me dirais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de zones qu'on voit dans le premier. Enfin, je dis ça, mais vous me direz la caverne arc-en-ciel, on n'y est jamais allé dans le 1, donc c'est une connerie ce que je raconte. Sphère d'énergie. Il y en a une là-haut déjà. Et Oswald qui adore ses pieds, hein, toujours. Hein. C'est vrai qu'embrasser ses pieds, c'est génial. Non, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Allez. Avec cette musique de Forest Cowboy. Allez, bref, on pose ça. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez des j'aime pas, des commentaires. Abonnez-vous si vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine. Arrêtez de jongler. Je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4 de Epic Mickey. Arrête d'embrasser tes pieds, ça m'énerve. Sérieux, c'est dégueulasse. Voilà, joue avec la télécommande. Ok, d'accord. Bref, allez. Salut
et à la prochaine.